50 Cent est un rappeur, producteur, acteur et entrepreneur américain qui a une valeur nette de 40 millions de dollars. Devenu célèbre au début des années 2000, son premier album, Get Rich or Die Tryin', l'a propulsé vers une renommée internationale, devenant plusieurs fois disque de platine et donnant naissance à des succès comme In Da Club. Ses albums suivants, dont The Massacre, connaissent également un succès considérable. Connu pour son style distinctif, mêlant paroles agressives et refrains accrocheurs, 50 Cent a vendu des millions d'albums dans le monde. Cependant, son influence s'étend au-delà de la musique. Il a fait des progrès significatifs dans ses affaires, notamment grâce à son investissement dans Vitamin Water, qui lui a valu un paiement substantiel lors de la vente de l'entreprise à Coca-Cola. De plus, 50 Cent a réussi sa transition vers le cinéma et la télévision, tant en tant qu'acteur que producteur. Sa série télévisée semi-autobiographique, Power, a été un succès, donnant naissance à plusieurs spin-offs. Au cours de sa carrière jusqu'à présent, 50 Cent a gagné au moins 200 à 300 millions de dollars grâce à ses diverses activités, notamment la vente de disques, les tournées et plusieurs accords de partenariat de marque. Malheureusement, il a également dépensé énormément, en particulier pour l'immobilier, les voitures et les poursuites judiciaires, ce qui l'a amené à déposer le bilan, chapitre 11, en juillet 2015. Beaucoup plus d'informations sur ce dépôt plus loin dans cet article. À son apogée avant la faillite, la fortune de 50 Cent dépassait les 100 millions de dollars. 50 Cent est né Curtis James Jackson III le 6 juillet 1975 dans le Queens, à New York. Il a été élevé dans le quartier du sud de la Jamaïque par sa mère, Sabrina, qui était trafiquante de drogue. Elle est décédée alors que Jackson n'avait que 8 ans. 50 Cent a ensuite été élevé par sa grand-mère. À 12 ans, il a commencé à vendre des stupéfiants après l'école. En 10e année, il a été arrêté lorsqu'il a été attrapé par des détecteurs de métaux dans son lycée alors qu'il tentait d'apporter des armes et de l'argent de la drogue. Il a de nouveau été arrêté en 1994 pour avoir vendu de la cocaïne à un policier infiltré, et a été de nouveau arrêté lorsqu'une perquisition policière à son domicile a révélé de l'héroïne, du crack et un pistolet. Il a passé 6 mois dans un camp d'entraînement et a obtenu son GED. Jackson a gagné en popularité lorsqu'il a sorti un single de rap underground controversé, How to Rob. En mai 2000, il s'apprêtait à sortir Thug Love, un single avec Destiny's Child, lorsqu'il fut abattu et hospitalisé. Il avait été attaqué par un homme armé devant la maison de sa grand-mère dans le Queens. Un agresseur, l'attaquant présumé Daryl Baum, qui était le garde du corps de Mike Tyson, a tiré 9 coups de feu et 50 Cent a été touché à la main, au bras, à la hanche, aux deux jambes, à la poitrine et à la joue gauche. L'agresseur a été tué 3 semaines plus tard. 50 Cent est resté à l'hôpital pendant 13 jours et pendant qu'il y était, il a signé un contrat d'édition avec Columbia Records. Cependant, il a été abandonné par Columbia lorsqu'il a tenté de publier la chanson « Ghetto Crane ». Il a également été mis sur liste noire par l'industrie du disque américaine dans son ensemble, alors il est allé au Canada pour enregistrer des chansons pour des mixtapes afin de renforcer sa popularité. En 2002, il sort la mixtape « Guess Who's Back ?» 50 Cent a un fils avec son ancienne petite amie Shaniqua Tompkins. Marquis Jackson est né en octobre 1996. Tompkins a ensuite poursuivi Jackson en justice pour 50 millions de dollars, mais la poursuite a été rejetée. Les deux se sont disputés à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. 50 ont soutenu le président George W. Bush en 2005 après que son collègue rappeur Kanye West ait critiqué le président pour sa lenteur à réagir à la catastrophe de l'ouragan Katrina. Jackson a ensuite soutenu Barack Obama en 2008 et Hillary Clinton en 2016. Malgré les paroles trouvées dans plusieurs de ses chansons, Jackson ne consomme ni drogue ni alcool. En mai 2016, après avoir traversé l'aéroport international de Cincinnati, Jackson a harcelé un concierge à l'aéroport et l'a insulté lorsqu'il l'a accusé d'être sous influence. Il s'est avéré que le concierge était un adolescent autiste et malentendant. La vidéo est devenue virale et les parents de l'adolescente ont voulu poursuivre 50 Cent en justice. Ils se sont contentés du don de 100 000 dollars de 50 Cent à Autism Speaks et de leurs excuses.